Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce sixième épisode d'Aventure Canadienne. Nous nous étions arrêtés la dernière fois à Los Angeles, un paradis pour les riders de toutes les disciplines confondues. Ce coup-ci, nous allons commencer à entamer le chemin du retour en direction de l'Est. Nous allons passer par Las Vegas, dans le Nevada, une ville magnifique où tout est dans la démesure. Et je vous réserve une petite surprise, mais je vous en dis pas plus, je vous souhaite un très bon visionnage. Yeah. Hold up. Get right with you. I'ma get right with you. Bad bitches, fuck them, then dismiss them. Bam. Woo. I ain't really here to take no pictures. Flash. Middle finger up for the system. Fuck them. Yeah. Coop is robotic, I ain't touching. Nah. Looking at your hoe because she bustin'. Yeah. Woo. Riding in that coop with the wings. Yeah. Going to your land with them chains. Yeah. Percocet, party serving fiends. Perky! Sweater got my blood with Vietnamese. Taliban, my drugs, rap on please. Taliban! Rap serving all day, my gas on E. Let's go! 30 hollow tips in the stendo. Bow, 30. Shadows keep raving by my window. Shadows. Thanking God he saved my life on kick those. Good! Thank you. Still sipping oil, me go sit go. Drink, go. Hold up. Right with you, I'ma get right with you. Bad bitches, fuck them, then dismiss them. Bad. I ain't really here to take no pictures. Flash. Middle finger up for the system. Fuck them. Woo. Fuck them. Get right with you, I'ma get right with you. Wow. Woo. Get right with you, I'ma get right with you. Hold up. Woo. Get right with you, I'ma get right with you. Yeah. Woo. Woo. Get right with Woo. You. All set. In the kitchen with a lot of wife. White. I done fucked a lot of niggas' wife. Make a million, then I make it twice. Damn. Bought the Rafe, had the ceiling light. Ray. I like a bitch with some cellulite. Ooh. Tip a brick to her, take a flight. Ooh. Used to ask what the lit was like. Where? Now I'm asking what the lil look like. Huh? Niggas copy Mike Tyson bite. Smoking cookie, yeah, that's dynamite. Cookie. Woo. Lamborghini. White on white, Lamborghini. All these diamonds, yeah, they white on white. Taking chances, hit the road to die. Send my shooters, come and take your life. Born with, count 100,000, start snoring with. Going, go, 30 round clip, tell for all my ligament. Bitch, I'm old dog from Menace. You trapping hard for pennies. Go, hopping the frog is tenant. Screw, asking the Lord, forgive me. Hey, hold up, you get right with you. I'ma get right with you. Bad bitches, fuck them, then dismiss them. Bang. I ain't really here to take no pictures. Flash. Middle finger up for the system. Fuck 'em. Woo. Get right with you. I'ma get right with you. Wow. Get right with you. I'ma get right with you. Hold up. Woo. Get right with you. I'ma get right with you. Moi je vais pas trop accrocher parce que si t'en as une qui charge, je vais me faire tailler un short. On ne sait jamais comment ça peut réagir cette petite bête. Bah voilà.
Salut. Donc voilà, on est arrivé hier soir au Grand Canyon. On s'est garé sur un parking parce que c'était le soir. Et j'ai pensé que ce serait bien qu'on fasse une rubrique pour ce qu'il y a de difficile au quotidien. Bon, alors ce matin, il fait quand même moins 8000. Mais c'est l'heure du petit déjeuner. Donc quand on sort le petit déjeuner, on sort le skate table. Donc on enlève les pare-soleils. Allez, c'est parti. Pour avoir une vue imprenable sur la buée. Magnifique buée. Après, venez, je vous emmène dans la cuisine. À la cuisine. Alors, il y a l'évier. L'évier bidon. Il y a la cave à vin. Alors, il faut sortir. Tous les matins, c'est une tradition. La petite assiette pour Laurent, pour son orange. Les pieds gelés, je suis en tongue. En fait, on est en altitude, on est à combien? On est à 1000. Ah, tout ça, d'accord, bah, c'est pour ça, j'avais pas compris. Donc, au petit-déj, alors, l'orange toujours, quotidienne. Cake au citron. Alors ça, c'est la cinnamon, la cannelle en fait. Et c'est vrai que c'est un truc pas trop dégueulasse qu'on n'a pas en France. Et j'avoue, c'est pas mauvais. Alors voici quel genre de parking on s'est garé. À vrai dire, c'est un parking très très calme. Là, on le voit derrière. On a connu pire déjà. Alors, comble du luxe, hein, des toilettes aménagées. Puis en plus, c'est très très calme. Et puis bah, là-bas, voilà, il y a le Grand Canyon, hein, dans cette direction là-bas. Donc on va aller voir. Et la Minette qui devrait sortir des toilettes à peu près dans 2 heures. Alors la voilà qui fait son devoir quotidien. Il faut bien, hein. Il y en a qui préparent le déjeuner, il y en a qui font la popote. Hein. Ça va pas être un mois d'hiver quand même. Hein. Donc voilà. Hein. Ça va bien de faire le tour du lit. C'est rapide. Des fois on tourne la voiture, juste la voiture, pas. Ça évite de tourner autour du lit, quoi. À tous, bienvenue dans cette 63e émission de Ushuaïa où nous sommes actuellement dans le Grand Canyon, là où la végétation ne pousse pas trop. Il fait particulièrement froid aujourd'hui, mais cela ne va pas nous empêcher de découvrir ce magnifique paysage ainsi que la faune et la flore. Sur ce, je vous dis bonsoir. Ah, il y a un hélicoptère là-bas. Oui, tu peux faire le Grand Canyon en hélico. Ben voilà. C'est moins fatigant. Oh, pardon. Merde. Je l'ai accroché dans l'arbre. Alors, par là, par là, ça descend pareil. Et j'avoue que ça fait une sensation un peu. Ah, moi ça. Waouh. Ah, ça vaut le coup d'œil. Hein. Ça vaut le coup d'œil. Il est trop loin, j'ai peur. Ouh, ça fait joli là-bas.
fera le tour de savoir si t'as envie de mourir ou si t'as envie de pas mourir. Ah, y a encore un petit chemin de l'angoisse. Pas sûr, je vois pas ce que je filme, mais effectivement, des deux côtés, c'est impressionnant. Du réveil matin. Ben, impressionnant. Alors, apparemment, ça rend pas la même chose le matin et le soir. Le soir, ça doit être beaucoup plus rouge. Je sais pas si on va pouvoir voir au fond. Voilà. Là, on voit. C'est vraiment magnifique. Allez, je te suis. Donc, identification du sol. Alors, c'est un mélange de sédiments calcaires. Non, c'est de la roche triable avec du sable rouge en fait. Moi, je vais te dire ce que c'est. Tu sais, la céramique. Et bien, comme par hasard, c'est exactement la même couleur. Céramique. Tu sais les tuiles de... Ah ouais, les tuiles de maison. Les tuiles, ou alors. Ou les poteries aussi. Les poteries aussi, tout à fait, oui. Si on remélange avec de l'eau, peut-être qu'on peut faire. Donc là, là-bas, il y a des barbelés, mais on peut apercevoir quand même et ben que c'est pas la même couleur. Alors bon, c'est pas des geysers. Mais pourquoi cette différence de couleur alors? Celui qui a la réponse, 3615, code qui n'en veut, il gagnera un séjour. Bon, là je vais dans un endroit, c'est marqué no trespassing et je suis derrière un barbelé. Suivez-moi, je vais vous montrer. Encore des cactus.
On me voit pas. Alors, là, il y a une rivière asséchée, bien sûr. Voilà. On peut me voir comme ça. Oh putain, le sol est plus dur dans la rivière. On va pouvoir monter par là-bas. C'est quand même pas à côté. La voiture elle est là-bas. Elle fait signe. Ça devrait être joli. Allez, c'est bon. On a fait le déglingo de ouf. On va retourner vers Minette qui est un peu plus loin. Elle va s'inquiéter. Eh ben, je pensais qu'il ferait plus chaud ici. Voilà, comme ça, j'aurais dit 24-25 degrés. Bon, on est au mois de. On est fin septembre. Donc c'est peut-être un peu normal. Mais je pensais qu'il ferait vraiment fort plus chaud. Donc là, il y a Minette là par là. Regarde-moi ça, la rivière. Alors dedans c'est beaucoup plus dur. Vous voyez. Alors je pense que il pleut pas souvent ici, mais quand il y a des orages, ça doit être super fort. Ça doit être super fort. Faire des coulées comme ça. En tout cas, c'est effectivement un paysage comme on peut décrire sur la planète Mars. En train de m'attendre. T'as pas passé le grillage? Non, c'est bon. Je me demandais, le barbelé est très coupant. C'est bon, elle a toujours sa laisse? Ouais, c'est bon, elle est toujours là. Je me suis pas fait voler. Bon. Allez, filme comme ça, au point. T'imagines, on filme. Non, je suis pas passé, le mec, il filme. Oh. Passe, attention, baisse. Vivant. Il faut ramener du sable maintenant dans les poches. Ben... Non, on va prendre un sac plastique, on va ramener un échantillon pour le faire étudier au laboratoire. Et moi, ça, comme elle se fait chier avec le sable dans la main. Voilà, on a récupéré le sable. Le sable d'Arizona. Voilà. Il n'y a pas de temps pour du cul pour chier droit, hein. On va filmer les lieux parce que... la maison. Mais non. Si. Mais oui. C'est pour ça qu'elle est plus habitée. Ah, truc de fou. En fait. Mais voilà. Non, la maison elle a été faite pour. Tu crois? Ouais. Bah oui. Je ne suis pas sûr parce que. Regarde comme c'est fait là. Hein. Si, ouais. Ouais, sinon toi serais cassé, ouais. Bon, je me suis trompé, ça arrive. Là quand même c'est très moderne. Normal. Ça a donné envie de jouer aux indiens aux cow-boys.
Ouais, des stickers, bah bien sûr. Je pense pas qu'il y a des stickers ici. C'est des jolis colliers. Encore une maison qui s'est fait écraser. Bon, j'ai dit une connerie, ça. On va à l'intérieur alors. Ah ouais, ouais, c'est la piole quoi, tranquille, la bonne gage quoi. Je crois qu'on va dormir là ce soir. Bah. Parce que Minette elle se plaint de ne pas avoir trop d'espace dans la voiture. Puis là au moins pour écarter les jambes, les bras quoi. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker si jamais l'envie vous prend. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine, car j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer durant le restant de notre voyage. Sur ce, je vous dis à très bientôt, au revoir. Don't say a thing about me. Oh no, I don't know.